Au début des années 80, Dalida semble sereine. Mais le 21 juillet 1983, Richard Chanfray se suicide à son tour. Une nouvelle tragédie qui va définitivement assombrir la vie de la star. On disait tout à l'heure que j'étais seule, qu'on ne me voyait pas, je crois, avec des hommes et tout, mais je pense que c'est par discrétion, ce n'est pas parce que je suis seule. Je n'aime pas afficher mes amours, ce n'est pas pour ça que j'en ai pas. Pour moi, le bonheur, c'est d'être en paix avec soi-même. Bon, est-ce qu'elle a été heureuse? Je n'en sais. Dalida a toujours été convaincue de son destin. Elle était déjà star avant de le devenir. Elle n'a que 21 ans lorsqu'elle est remarquée dans une salle mythique qui, aujourd'hui encore, accueille les plus grands talents de la chanson, l'Olympia. Quand je suis arrivée, enfin, je n'avais pas beaucoup d'argent, alors je demandais à travailler. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont acceptée dans des cabarets. Je n'avais pas du tout chanté. Parce que c'est belle. Parce que après ces 4 longues années d'hiver, Dalida voit enfin le printemps pointer le bout de son nez et l'arrivée du disco va faire de l'artiste d'aujourd'hui l'icône de demain. Avec ses chorégraphies, avec ses danseurs, avec ses belles tenues à paillettes. Ouais. C'est Dalida, quand tu dis disco, tu penses à un moment donné à Dalida, c'est logique. La période disco. Dalida enchaîne les 45 tours, bénéficiant toujours des bonnes ondes de Lucien Maurice et d'Europe 1, sur lesquelles ses chansons sont diffusées toutes les heures. Le phénomène Dalida est en route et il a même déjà dépassé les frontières. Et à l'époque, il faut imaginer qu'un disque, on en sort un tous les mois. Dalida, Johnny, etc., c'est un disque tous les mois et demi. Et sur un disque, c'est 4 titres. Avec des chansons comme « Pour ne pas vivre seul », Dalida affiche son soutien à cette communauté homosexuelle qu'il adore. 30 ans plus tard, la star est toujours une icône pour le public gay. Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roues. Je pense qu'on ne choisit pas d'être une icône gay. On ne choisit pas. Je pense que c'est le public qui vous choisit.